Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo d'ouverture de booster Pokémon, et on va ouvrir les Ténèbres Embrasées du duo pack Ténèbres Embrasées Clash des Rebelles. Vous aurez les Clash des Rebelles dans une autre vidéo, et j'espère qu'on va avoir de très très belles cartes. Encouragez-moi, mettez-moi des pouces bleus, partagez, likez, commentez, et n'oubliez pas de vous abonner pendant le générique. Je vous dis à tout de suite. C'est parti pour cette ouverture. Donc, voyons voir un petit peu les illustrations. Nous avons un Dracaufeu juste ici, très très beau, en VMAX. Nous avons un Eternatus en Infinimax VMAX. Nous avons un Angoliath VMAX. Et nous avons ensuite trois Scolossandres VMAX. Alors, on va se les garder pour la fin. Et puis, on va ouvrir le reste. Alors, qu'est-ce que j'aimerais de cette collection Ténèbres Embrasées ? Je me suis pas encore plongé dans les différentes cartes qu'il y a, donc j'espère juste de l'ultra rare et pourquoi pas un petit Nustanfer V parce que c'est quand même la carte la plus jouée dans le TCG et dans les tournois, et puis un petit Dracaufeu VMAX parce que je sais que c'est l'une des cartes qui a le plus de valeur dans cette série. Alors pourquoi pas, hein, je me dis, on va se laisser tenter par ça. Donc c'est parti, on va ouvrir Angoliath en premier. Alors, c'est parti. Hop. Le code online, on va se le garder. Hop là. On va mettre notre petit paquet juste dans le fond. Oh, je me suis fait spoil. Oh purée, je me suis fait spoil. Il y a une beauté. Oh purée, je me suis fait spoil. Alors, attendez, on va regarder un petit peu. Ah, les contours sont bien réguliers. C'est très très beau. Pour le coup, elle est pas mal coupée. Je crois que je me suis fait spoil. Je crois qu'on a... Oh purée, on a une belle carte. Oh, trop trop bien. Alors, ça commence bien. J'espère que ça va pas terminer aussi mal que Kim et Guillaume quand ils ouvrent des boosters. Alors, c'est parti. Un petit Watt-Watt. Très mignon. Un Paras. Un Scrutella. Très mignon aussi. Un Hermure. Nous avons un petit Polarum. Une énergie feuille. Une énergie plante. Mesmerella. Oh, c'est très rigolo, tiens. Le soin de l'éleveur Pokémon. Galifeu. Nous avons un passe rouge en commune reverse et petit roulement de tambour. Oh, Dratak VMAX. Très très belle carte. Une ultra rare. Alors, je n'ai toujours pas préparé mes protège cartes. Hein, c'est vraiment pas grave. Hein, on va la laisser sur le côté et on va la mettre après dedans. Elle est très très belle. Hein, très belle illustration. Première ultra rare. Alors, j'espère qu'on va en avoir d'autres. On va la poser juste ici et on va continuer avec un petit Eternatus. Très joli, hein. Ça commence super super bien, c'est d'enfer, je kiffe. Ah bon, tiens, j'ai oublié de retourner. Donc voici un petit code online pour vous, on va la mettre là. Alors 1 2 3 4 1 2, c'est parti. Alors, on a un Brindibou, on va les mettre juste ici, un petit Brindibou, un petit Rondoudou, un Topiqueur, un Flotajou, un petit Mimigal, une énergie eau, très joli, un Galigon, un Floutoutan, les Smashing, les quartiers Smashing, le Spododo en commune reverse, très très joli, j'aime beaucoup, et enfin un Pyrax en rare, pourquoi pas, très joli. Donc c'est parti, on va les laisser là. C'est parti pour le Dracaufeu VMAX. Alors, est-ce qu'il sera dedans? Alors, je sais que Kim et Guillaume, des youtubeurs, veulent le Dracaufeu VMAX et qu'ils n'ont pas eu de chance. Voici le petit code online. Ils ne l'ont toujours pas eu. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Ça serait plutôt sympathique. Attendez, je mets le code online utilisé à gauche. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Hop là, c'est parti et allons-y. Un Vorastéri psychédélique comme la dernière fois. Un Chakripan, très mignon, j'aime beaucoup. Alors que d'habitude, je n'aime pas Chakripan. Un Étourmi, un Galekid, un Polarum, une énergie électrique. Les quartiers Smashing encore, désolé, j'ai un peu fourché. L'Ornithologue, nous avons Candine, nous avons une... Oh, oh mon Dieu, je me suis fait spoil.
une rare reverse avec Granbull. Granbull, pardon, Granbull. Très très beau, j'aime beaucoup. Et je me suis fait spoil, qu'est-ce que nous avons derrière? Un Démolos V. Magnifique, deuxième ultra rare. Donc c'est génialissime. Alors si le focus veut bien se faire, oh, magnifique, très très beau ce Démolos. Je suis pas super fan du Pokémon, mais l'illustration est magnifique. Je kiffe. On va le mettre avec le Drattak VMAX et on va continuer avec un petit Scolossandre. C'est parti. Alors, le code online, on va le garder. Ah, ah bottom. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah, ah, il est juste au-dessus. Excusez-moi, je me suis... Bon, bah, je me le garde pas, du coup, c'est pour vous. Hein. C'est vrai que ce n'est pas comme les autres où c'est tout à la fin, c'est tout au début. Je me suis fait un petit peu avoir avec Soleil et Lune juste avant, parce que j'ai tourné la Soleil et Lune juste avant. Alors, le Sauf-Kipou, Sapero, un psychédélique comme Vorastery. J'aime pas trop, mais c'est plutôt sympathique. Hein. Enfin, j'aime pas le style, mais je trouve que ça lui va bien aussi, de temps en temps, de changer un petit peu. Un petit Toxizap tout mignon. Un Tefroi. Un Carabang. Un Golemastock. Très sympathique. Ouais, c'est une rare... C'est une rare reverse. Ah, bah je me suis fait... J'ai loupé mon truc, alors. Soin de l'éleveur Pokémon. Un Galifeu et... Ah non, encore. Oh là là, oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là, oh là 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 là. Oh, je vais répéter oh là 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 beaucoup, là, je pense. Oh purée, c'est pas possible. Oh, un truc de fou. Et Tourvol. Et ensuite... Et ensuite... Oh purée, Nostanfer V. Alors attendez, j'ai l'énergie juste après, mais... Oh, Nostanfer V en full art. Oh, mais c'est la carte, et c'est la carte la plus jouée en full art. Elle est magnifique. Oh, oh là là, c'est quoi son talent? Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez piocher des cartes jusqu'à en avoir 6 en main. Vous ne pouvez utiliser qu'un talent à tout obscur par tour. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. J'ai Nostanfer V en... Oh là 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 là. Et je suis fou. Je suis totalement fou. Et regardez quand même. Et on avait 6... Ouh là là. Excusez-moi. L'excitation de... décidément. Oh, on avait 6 boosters, quoi. Oh, on a... Oh là 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 là, oh, je suis désolé les gens, je vais répéter, oh là 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 là. Et franchement, si on a encore des ultra rares là-dedans, je vais être fou, vraiment, vraiment, super fou. Oh, vous imaginez même pas dans quel état je suis, c'est un truc de fou. Je kiffe, alors là je kiffe. Ah, il veut pas s'ouvrir ce Scolossandre là. On va continuer. Oh là là là, alors faites qu'il y en a d'autres. Ah, j'en veux, je veux d'autres cartes, je veux d'autres cartes. Alors, un petit code pour moi. On va le retourner. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Allez, encore, encore. J'en veux plus. Je veux plus d'ultra rares, s'il vous plaît. Escargome, c'est déjà génial, mais... Oh là 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 là, Flotajou. Teddy Ursa. Minisange. Alors là, je parle encore plus fort. C'est un truc de fou. Je kiffe. Poussifeu. Une énergie plante. Nous avons un Cédéroc. Oh là là là, que je me spoile pas. Et flèche. Ah, oh, bah tiens, on a eu Brindibou juste avant. Forêt de Lumirinthe. Très joli. J'aime beaucoup cette illustration. Nous avons un Sorboule en peu commune reverse. Très joli. Et, oh, très joli aussi. Oh, décidément, une holo. 3 ultra rares. Franchement, c'est incroyable. Hein. Oh, Tyranocif. Très, très jolie carte. Alors, attendez. Voilà, le focus est fait. Oh, magnifique. Et de toute façon, là, je crois que je vais... Je suis tellement content, Nostanfer V en full art. Je crois que je ne vais pas en revenir. C'est un truc de folie. Très, très beau Tyranocif. Il est très, très beau. Et on va passer au dernier paquet. Allez, allez, allez. On termine en beauté. Ah, parce que là, quand même, on a une très belle ouverture. Je ne vous dis pas si on a des Clash des Rebelles avec de très bonnes cartes. C'est pour ça. Il ne faut surtout, surtout pas rater la prochaine ouverture du coup de Clash des Rebelles. Parce que ça pourrait être incroyable aussi. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop là, c'est parti, on continue. Alors, on commence avec un Monsieur Mime de Galar, un Tadmorph,
un tic, un skitty, un feuillage, une énergie électrique, un brésilion, une énergie repère. Plutôt sympa. Je crois que je ne l'avais pas encore en plus de cette extension. Un parasec. Oh, un Lima Speed. C'est une rare reverse. Très jolie. Je ne trouve pas que Lima Speed nécessite en fait un grade de rare. Parce que je trouve qu'il a rien du tout d'une rare. Alors voilà, c'est mon avis. Et nous avons un Etou Raptor. Plutôt sympa. Bon, bah écoutez, on termine pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais je crois que nous avons des choses exceptionnelles hein, quand même. Hein. Franchement, alors on va revoir un petit peu tout ça. Nous avons un Tyranocif en holo. Très 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 belle carte. Magnifique. On va la laisser là. Ensuite, nous avons un petit Démolos V d'une beauté. Regardez-moi cette carte. Très très beau. Magnifique. Ensuite, par ordre, nous avons un Dratak VMAX. Splendide. Vraiment, vraiment. Déjà là, je suis comblé. Un Dratak VMAX. Magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Ouh là là. L'abîme pas, Quentin. L'abîme pas. Et là, nous avons l'un des saints Graals de cette ouverture, de cette extension TCG Pokémon Ténèbres Embrasées. Tout ce que vous voulez, nous avons un Ostenfer V Full Art. Je crois que je suis absolument refait. C'est magnifique, c'est splendide. Et ben, on va se laisser sur cette carte, parce que franchement, elle mérite d'être admirée, d'être mise sous pochette immédiatement. Alors, je ne vais pas perdre une seule seconde de plus, je vais la mettre sous pochette. N'hésitez pas à me dire quelle est la carte que vous avez préférée en commentaire, de lâcher le plus de pouces sur cette vidéo pour ce petit Ostenfer magnifique. Et puis partagez, abonnez-vous, j'espère que vous avez pris du bon temps, parce que clairement moi, je crois que je suis absolument refait. C'est incroyable. Je vous dis à une prochaine fois, on va ouvrir des clashs de rebelles, je vais la tourner immédiatement parce que je veux absolument savoir ce que j'ai dedans, et je vous dis à très très bientôt.